Conte de fées en français. Les pierres de Plouhinec. Il était une fois, dans la grande nation qu'était la France, une petite ville du nom de Plouhinec. À la pointe de Plouhinec, il y avait deux rangées de pierres immenses. Les pierres étaient si grandes et si lourdes qu'on croyait que seules les fées pouvaient les avoir mises là, comme ça, bien droites. Non loin de l'avenue des Grandes Pierres et sur les berges de la petite rivière Intail, vivait un homme qui s'appelait Marzin et sa sœur Rosnik. Rosnik était une très jolie jeune fille qui était traitée comme une princesse par son frère Marzin. Il était très protecteur envers elle. Il rejetait toutes les propositions qu'on lui faisait pour avoir la main de sa sœur en mariage. « Non, merci. Ma jolie petite sœur se mariera un jour avec un prince, pas avec un simple marchand de pommes. » Mais Marzin ignorait le fait que Rosnik et son ami d'enfance, Bernez, étaient amoureux. « Comme j'aimerais être un prince pour pouvoir demander ta main à ton frère et t'épouser. » Mais hélas, je ne suis qu'un pauvre bûcheron. Eh bien, pourquoi ne parles-tu pas de nous à mon frère demain au banquet, non? Qu'en penses-tu? Mais... Pas de mais. Soit tu lui dis, soit je lui dis moi-même. Je me fiche bien des riches. Je tiens à toi et puis c'est tout, tu comprends? Mais... À demain alors, salut! Le lendemain, il y avait un grand banquet chez Marzin et Rosnik pour célébrer le début de la saison des récoltes. Leur maison était remplie d'invités. Bernez était aussi présent. Rosnik, tout en discutant avec un des invités, faisait des gestes à Bernez pour qu'il aille parler à son frère. Mais... Très hésitant, il marcha vers Marzin. Donc, Marzin, je me disais que... Un mendiant dans ma maison ? Je ne suis pas un mendiant, c'est moi, Bernez. Je ne parle pas de toi. Marzin s'éloigna en marchant vers la porte où un homme habillé en haillons se tenait là. Tout le monde dans la pièce le fixait du regard. Qui es-tu? Je m'appelle Dario. Je suis un sorcier et j'ai voyagé partout dans le monde pendant des années. J'étais très fatigué et j'avais faim quand j'ai vu votre maison. S'il te plaît, donne-moi un peu à manger et un abri pour me reposer cette nuit. Je t'en serai reconnaissant pour toujours. Marzin réfléchit un instant et dit « Ok, je vais te donner à manger et un endroit pour dormir cette nuit. Mais en échange, je veux pouvoir utiliser ta sorcellerie et trouver un prince convenable pour marier ma sœur. » Je ferai de mon mieux. Peu après, la nourriture fut servie à table et tous les invités mangèrent en abondance. Bernez n'eut pas de nouvelles chances de parler avec Marzin, ce qui déçut énormément Rosnik. Cette nuit-là, quand tous les invités s'en allèrent, on offrit à Dario les tables pour aller se reposer. Dans les tables, il y avait un âne et un mouton. Très bien, les amis. Bonne nuit. Dario s'allongea et ferma les yeux. Dehors, la pleine lune brillait très fort et une étoile filante traversa soudain le ciel. Au même moment, l'âne secoua sa tête et sourit avec délice. Hi-ha! C'est enfin ce moment de l'année, bébé! On peut parler. Allez, allez, vas-y, raconte-moi, quoi de neuf? Je n'ai pas trop envie de parler en présence d'un sorcier. Quoi? C'est un sorcier? Oui, c'est un sorcier, oui. Je l'ai entendu quand il s'est présenté à Marzin. Mais laisse-moi te le dire, ce n'est pas un très bon sorcier. Et comment tu sais ça? Eh bien, les sorciers sont très intelligents. Celui-ci n'est pas assez intelligent pour avoir compris quel coup du sort va le frapper demain. Un coup du sort? Quoi? Tu n'es pas au courant? Une fois tous les 100 ans, les pierres de Plouhinec descendent pour boire à la rivière. Et tandis qu'elles s'absentent, les trésors qui se trouvent d'habitude sous elles sont alors découverts. Ah! Je me souviens maintenant.
Mais les pierres retournent si vite à leur place qu'elles t'attraperaient et te puniraient sûrement, à moins que tu n'aies dans ta main une pomme violette. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Même en supposant que tu t'en sortes sain et sauf, le trésor devrait être récupéré et amené par une personne qui n'a jamais fauté. Autrement, tu pourrais te désintégrer et devenir poussière. L'âne était sur le point de dire quelque chose, mais il se trouva soudain incapable de parler. L'âne se tourna vers la fenêtre et vit une étoile filante qui traversa le ciel depuis une autre direction, ce qui impliquait que le temps pendant lequel il pouvait parler était écoulé. Il ferma ses yeux et le mouton fit de même. Mais le démoniaque Dario avait tout entendu. Petits idiots! Maintenant, je vais devenir l'homme le plus riche de toute la France et me marier avec Rosnik. Alors, le lendemain matin, Dario partit chercher la pomme violette. Il se rendit au marché, dans la jungle et dans les prairies du coin, mais il ne put trouver de pomme violette. Finalement, alors qu'il était sur le point d'abandonner, il s'arrêta sous un arbre. Soudain, quelque chose tomba sur sa tête. Aïe ! Il baissa les yeux et découvrit une pomme. Et pas juste une simple pomme. Celle-ci était violette. Oh, les anges m'ont béni. Maintenant, je vais pouvoir devenir l'homme le plus riche de France. Avec sa pomme à la main, Dario arriva dans l'allée des grandes pierres où toutes les immenses pierres se tenaient droites. Tandis qu'il avançait dans la longue allée des pierres, il vit Bernèse qui travaillait sur la plus haute d'entre elles avec un burin. Mais que fais-tu là? Oh, monsieur Dario, bonjour. Il se trouve que je n'ai pas de travail aujourd'hui. Alors, je me suis dit que j'allais tailler un cœur dans cette pierre. Et j'imagine que tu crois que ça va t'aider à gagner Rosnik. Bernèse arrêta ce qu'il était en train de faire un instant pour le regarder. Ah, donc tu es au courant de ça? Malheureusement, Marzine veut un beau-frère qui a plus d'argent que je n'ai de piécettes. Et suppose que je puisse te donner plus d'argent que Marzine ait jamais rêvé d'avoir. Toi? Oui, moi. Et que dois-je faire pour gagner cet argent? Laisse-moi te dire que si c'est un don, ça ne me va pas. Je n'accepterai pas. Je suis un homme de vertu. Ceci fit sourire Dario. Il avait entendu parler de Bernèse par les gens de Plouinec, combien il vivait selon les codes de la morale et de la vertu. Mais maintenant, il était sûr d'avoir trouvé la bonne personne pour le petit travail. Ce que j'attends de toi, c'est juste un peu de courage. Si ce n'est pas ça, dis-moi ce que j'ai à faire et je le ferai. Dario avança vers Bernèse et lui murmura son plan à l'oreille. Plus tard cette nuit-là, quand l'heure pile sonna à la grande église de Plouinec, Bernèse entra dans les bois. Il y trouva Dario qui était déjà là avec un sac dans chaque main et un autre posé au sol. Tu es ponctuel. Dis-moi. Que vas-tu faire de toutes ces richesses? Tout d'abord, je vais demander la main de Rosnik en mariage. Et avec ce qu'il reste, je donnerai tout aux pauvres et aux gens dans le besoin qui vivent à Plouinec. Alors, mettons-nous donc au travail. Avec le premier coup de minuit, un grand bruit vint briser le silence et la terre sembla basculer sous les pieds des deux hommes. Peu après, sous la lumière de la lune, ils contemplèrent les immenses pierres près d'eux qui quittaient leur place pour descendre la pente qui menait à la rivière. On aurait dit comme une procession de géants qui se déplaçaient. Trouvant que le moment était opportun, les deux hommes se ruèrent vers les trous où les trésors brillaient fort sous la lumière de la lune. Dario s'assit et ouvrit les sacs, tandis que Bernèse s'occupait de sortir le trésor et de placer toutes les richesses dans les sacs posés au sol. À présent, deux sacs étaient remplis
et il ne restait plus que le troisième quand soudain un murmure sourd comme le bruit d'un orage lointain arriva aux oreilles de Dario. Les pierres avaient fini de boire et se dépêchaient de revenir à leur place. Dépêche-toi, elles arrivent. Ma main est coincée, aide-moi. Oh, tant pis, c'est trop tard. Prends soin de toi, mon ami. Ma vie est précieuse. Merci pour toutes ces richesses. Salut. Quoi? Non! Dario se mit à courir avec ses deux sacs quand soudain, il trébucha et tomba. Les sacs volèrent dans les airs et tombèrent derrière un buisson. C'est alors que la plus grande pierre courut en passant juste à côté de Dario et s'arrêta pile devant Bernèse, de sorte que personne ne pouvait plus passer. C'était sur la pierre sur laquelle Bernèse avait taillé le cœur. Pendant ce temps, les autres pierres encerclèrent Dario. Eh bien, vous ne pouvez pas me faire de mal. J'ai la pomme violette. Ça pas pomme, ça coin, idiot. Et alors, toutes les pierres vinrent l'encercler. Non! Dario, en un instant, se transforma en poussière. Pendant ce temps, la grande pierre était allée parler à Bernèse. Toi, être homme bon, toi, mérite de vivre. Cours avant arrivée de mes frères. Mais ma main est bloquée. Plus maintenant. Et juste comme ça, la main de Bernèse fut débloquée. Il se leva tout de suite. Merci beaucoup. Pas besoin de me remercier. Tu m'as offert un cœur. Je te rends juste ta faveur. Maintenant, cours. Oh, et n'oublie pas tes sacs remplis de trésors. Mais ils ne sont pas à moi. Bernèse baissa la tête bien bas. Je les ai pris ici. Tu es honnête. Écoute-moi. Maintenant, les sacs sont à toi. Allez, vas-y, cours. Cours. Bernèse sourit et partit en courant. Quand toutes les pierres eurent finalement repris leur place respective, Bernèse ramassa les sacs qui gisaient derrière les buissons et rentra chez lui. Le lendemain, Bernèse alla voir Marzine et lui raconta tout ce qu'il s'était passé. Rosnik et Marzine furent choqués. Ce méchant sorcier voulait épouser ma sœur. Bon, pas la peine de se lamenter sur le passé. Il a eu ce qu'il méritait, non? Oui. Et j'ai aussi compris que les seules richesses ne peuvent acheter le bonheur de ma sœur. Je suis désolée, Rosnik. Tout va bien, mon frère. Tu as fait tout ce qu'un frère ferait. Et toi, Bernèse, je ne savais pas que toi et ma sœur étiez si amoureux. Et pour être honnête, je dois dire heureusement, car je ne l'aurais jamais autorisé. Mais maintenant... Maintenant que je peux voir combien j'étais aveugle, tu es un homme bien, Bernèse. Et plus important encore, tu es honnête. Et ainsi, Rosnik et Bernèse se marièrent au cours d'une grande cérémonie. Marzine était très heureux, car il avait enfin trouvé une personne convenable pour sa sœur. Mais devine qui était encore plus content. Ah, top! On peut parler en plein jour maintenant. C'est parti pour la fiesta, bébé!